connaît déjà l'album Prismophonie. Ah, on note que dans la tranche du fond, il y a quelques retardataires. Bon, vous allez voir ce soir, alors j'ai envie de vous présenter un petit peu les gens qui sont avec moi. On va commencer par la sublime, l'incroyable Sarah de Courcy, qu'on va... programmation et qui est ici la directrice musicale, c'est elle qui a fait tous ces arrangements que vous entendez ce soir, donc franchement bravo encore Sarah. À la batterie, un certain Tom Meadows. On va lever très fort un peu de lumière pour Tom, on ne vous voit, nous vous voyons pas Tom. Un petit peu de lumière ce serait sympa sur Tom. Ah, voilà, c'est bien qu'on les voit un petit peu. Alors, vous allez voir ce soir quelques titres de l'album Prismophonie qui sortent se mettre en bouche pour une tournée qui arrive sûrement bientôt. Ouais. On verra ça dans un deuxième temps. On est là, au 104, on est plutôt pas mal. Je sais qu'il y a aussi... Alors, attendez, est-ce qu'on a les privilégiés qui sont là? Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous regardent via Internet. Donc, on va dire bonsoir, on va faire un gros bonsoir. 1, 2, 3. Bonsoir! Voilà, on pense bien à vous. Non, c'était pas du tout mesquin ce que je viens de faire, c'était vraiment pour qu'on pense bien à eux. Et on me dit qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui regardent, donc vous imaginez que c'est plutôt top. Voilà, et voilà, on a fait un petit... Alors, vous avez entendu, on a entendu Falling, qui est le titre de fin de l'album. Et je me suis dit, tiens, je voulais absolument mettre ce titre ce soir, mais je voulais pas le mettre à la fin, histoire de dire, bah non, on va pas faire deux fois la même chose quand même. Donc, on a voulu démarrer par Falling, et on a entendu Enemies in Love, La Bombe Gagne, et là... Il y a un titre que j'aime beaucoup particulièrement, un autre titre, une autre balade, un autre piano voix, et ça s'appelle Si mes larmes tombent.